vous écoutez les enfants, aujourd'hui la congolexicomatisation des lois du marché, voilà, interprétée non seulement par Eddy Malou, grand révolutionnaire hein, de la 5ème République, mais aussi, mais Ulio, qu'est-ce que vous faites? Ah, pardon monsieur, je t'ai vu jouer avec ton téléphone là. Non monsieur, attends, c'est pas vrai. Tu sais pas mentir, au moins si tu veux jouer, fais-le discrètement. C'est pas jouer discrètement. Bon, tu joues à quoi? Spike. Bien, t'as fait combien? 5. Ouah, vas-y, comment il est trop nul. Ta gueule, Jérémy. Pardon, monsieur. Bon, tu sais jouer à quoi d'autre? Je sais pas. Ma vie est nulle. Ça va être long. À tous et bienvenue dans ce nouveau FaceTime. Au moins tu sais dire bonjour. Ta gueule Willy. Oui, nous ne pouvons pas savoir tout faire dans la vie, sinon notre monde manquerait de retournement de situation. Ah bah sinon on ne pourra plus tuer tous ces malfrats de dealers. Mais moi, en tant qu'être humain, mon niveau de savoir-faire manuel est restreint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous me placez une perceuse entre les mains pour resserrer la tringle de vos rideaux, je ne saurais pas brancher la perceuse. C'est triste, hein? C'est pour ça que je vais vous dire les choses les plus ridicules que je ne sais pas faire dans la vie de tous les jours. Je ne sais pas ne pas m'énerver quand quelqu'un dans le bus a enclenché son enceinte Bluetooth à 10€ acheté sur le marché. Un bon gros rap comme on les aime. Ah bah voilà. Je ne sais pas décalquer une feuille. Pourtant c'est en CE2 que t'apprends ça. C'est vachement compliqué. Je ne sais pas ne pas faire tomber ma trousse par terre pendant un cours. Aujourd'hui les enfants, cours de maths. En français, on va étudier Victor Hugo. Bienvenue pour cette heure de musique. SVT. Puis aujourd'hui, un physique-chimie, la gravité. Alors, je prends la trousse du Lio, je la lâche, elle tombe. Je ne sais pas ne pas apprécier le film Jurassic Park, même si c'est la 21ème fois que je le vois. Tu vas finir par avoir des problèmes avec ces dinosaures. Des problèmes? Je ne sais pas écrire le mot développer. Je ne sais pas ne pas avoir peur la nuit quand je sors de mon lit. Oui, parce que quand je vais aux toilettes ou autre pendant la nuit, j'ai toujours ce vague frisson. Alors je me blottis dans ma couette. Ah, c'est fou ce manque de sécurité chez les civils, hein. Comme si ma couette pouvait me protéger d'une attaque nucléaire ou d'un tueur en série, je sais pas. Un réflexe bizarre que j'ai aussi. Putain, quelle de tes morts! Sors de ma couverture! C'est pas que je suis moi! Moi je suis en four à moi! Moi j'ai ramené mes potes! Ils vont me défoncer comme ça! Les cash, les gosses! Sors de ma couverture! Je vais les ramener, ok? C'est ça qu'ils veulent! Je vais les ramener, enculé! Pour finir, je ne sais pas m'imaginer des trucs chelous en cours. Que je m'ennuie. Donc, très bien, aujourd'hui, les choucroutes dans la mathématique. Ouais, c'est chiant. Oh, un stylo 4 couleurs. Qui dit 4 couleurs dit forcément 4 munitions. La bleue,
Ça serait pour blesser quelqu'un. C'est les saucisses. La verte. Pour que quelqu'un fasse un malaise en cours. Ouais, c'est bien. Vu que tout bonnement, qui la rouge, ça serait pour, disons, envoyer quelqu'un à l'hôpital. De l'air total de la boîte de choucroute. La noire, ça serait pour buter quelqu'un. Alors, voyons voir. Qui est-ce qui je pourrais buter? La boîte qui contient. Oh, les maths, c'est chiant quand même. Hein. Les grosses saucisses. Allez, bim! Au revoir, monsieur le prof. Oh merde! Oh monsieur! Ça vient comme ça. Bon, et ben voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. Comme vous avez pu le remarquer, il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne toutes les semaines. J'espère que le rythme va continuer comme ça. D'ici là, à bientôt pour un prochain FaceTime. Tchuss! Tu m'en vénères, tu sais très bien que tu m'en vénères, ça va me vénère.